c'est quoi le post-numérique? C'est ma traduction de post-digital, qui est un terme que Russell Davies à Londres a commencé à utiliser en 2009. C'est un terme qui a été utilisé avant par d'autres gens, mais qui voulait souvent dire qu'on a passé le numérique. Ah, on est tanné de ça, on passe à d'autres choses. Lui, c'est un petit peu le contraire. C'est, il dit, oui, on a passé le numérique, mais on l'a passé parce que maintenant, c'est intégré à tout. On a un seul monde qui inclut le numérique et le physique. Donc, arrêtez de parler de en ligne puis de dans la vraie vie, c'est un seul et même monde. Pour lui, ça veut dire en particulier trois choses. Ça veut dire de vrais objets avec une identité numérique, donc des objets qui commencent à avoir une présence Internet. Ça veut dire de la substance numérique qui est exprimée en objet physique, donc la direction opposée. Ça veut aussi dire de dépasser notre engouement pour le numérique et notre nostalgie pour le physique, de juste considérer les deux tels qu'ils sont. Donc, justement, ça veut dire choisir ce qui est le plus approprié, d'arrêter de se dire « Ah oui, je fais du numérique ou je fais du physique », puis de tout simplement regarder ces outils-là sur un pied d'égalité, puis de déterminer pour chaque question, pour chaque problème, c'est quoi la meilleure solution, c'est quoi le meilleur outil à utiliser. Donc, il y a des gens qui ont commencé, c'est foncé ici, il y a des gens qui ont commencé à bidouiller un peu dans ces coins-là, dans cette superposition-là, dans cet attachement des deux mondes. Par exemple, ici, un petit ordinateur qui est connecté à Internet puis qui va consulter les stations Bixi à Londres, 4 stations en particulier autour de la maison du gars qui a fait le machin, puis qui allume les lumières s'il y a des vélos. Puis c'est fait pour être accroché à côté de sa porte. Quand il part, il jette un coup d'œil, puis il sait vers où se diriger pour avoir un vélo. Donc, c'est juste d'amener des informations Internet plus proches de la surface de sa vie. Field Notes, James Brittle, qui, lui, savait, en s'en allant à la conférence Sainte-Basse-Saint-Ouest, qu'il avait toutes les informations dont il avait besoin, mais il voulait les regrouper dans une façon plus facile pour lui à utiliser. Donc, il a ramassé l'entrée Wikipédia d'Austin, où il y avait la conférence, un guide de Lonely Planet, l'agenda, etc. Puis, il les a regroupés en un livre qu'il pouvait transporter avec lui. Donc, il s'est justement choisir l'outil approprié pour la tâche. Puis, ce qu'il a réalisé aussi, c'est que ça lui donnait un snapshot, une photo de ce moment-là sur Internet, l'Internet qui change un peu tout le temps. Lui, ça lui donnait un moment en même temps que la conférence pour ces informations-là. Botanicals, celui-là, un petit peu... pas inutile, mais c'est un ordinateur en forme de feuille qui utilise aussi un détecteur d'humidité qu'on plante dans le pot de la plante, qui regarde si elle a besoin d'eau, puis qui va tweeter sur un compte pour dire « Hey, j'ai besoin d'eau ». Donc, un petit peu bizarre, mais c'est un exemple d'expérience de connecter des choses à l'Internet. Incidental Media, c'est une série de vidéos faites par Berg à Londres, une des agences que j'aime énormément suivre dernièrement. Puis ça, c'est un des exemples qu'ils montraient dans leurs vidéos, c'est d'amener des données Internet à la surface de notre monde plus facilement. Donc, par exemple, maintenant, toutes les caisses ou à peu près, c'est des ordinateurs. Tous ces ordinateurs-là sont connectés à Internet. Donc, pourquoi pas inclure dans la facture, par exemple, des nouvelles du Guardian ou le maire Foursquare du moment ou des critiques de Yelp ou des tweets, etc. Donc, ça, c'est un autre exemple. Tableau, on voit en bas, c'est une table de chevet. On voit en bas à droite qui est connectée à Internet et consulte une liste Twitter, on suppose probablement de la famille, ramasse les images qui passent sur ce compte Twitter-là puis les imprime dans le tiroir. Donc, on pourrait, par exemple, avoir grand-maman qui aurait cette petite table-là, puis elle ouvre le tiroir, puis elle a des photos de ses petits-enfants qui ont été tweetés par les parents. Puis on peut faire, ce qui est intéressant, on peut faire le chemin inverse aussi. On peut mettre une photo dans le tiroir qui va être scannée puis envoyée en direct message à un compte particulier. Walking Papers, un projet de Mike Migurski à Stamen, une autre agence à suivre. Puis c'est OpenStreetMap, qui est comme la version crowdsource de Google Maps, mais il y a beaucoup de manque dans ces cartes-là. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est un système pour choisir une partie de la carte, l'imprimer, on voit le QR code pour retracer c'est quoi la section qui a été utilisée. Après ça, on se promène avec la feuille, on peut faire des annotations, après ça, on rescanne la feuille qui se replace dans la carte avec le QR code, puis après ça, on peut aller numériser les changements qu'on a faits. Donc, c'est vraiment un loop intéressant de passer de numérique à physique à numérique selon, à chaque moment, quel qui est le plus intéressant pour ce qu'on veut faire. Comme une sous-tendance du post-numérique, c'est la surabondance des écrans. On a présentement une surabondance d'écran, mais la plupart du temps, c'est des télés qu'on voit dans les cafés, dans les restos, dans les salles d'attente, qui nous montrent les défaites du Canadien et les mauvaises nouvelles au téléjournal. Mais là, maintenant, on a la surabondance, les victoires dernièrement. Là, maintenant, on a la surabondance de nos écrans. Un vieil ordinateur, un écran, une télé connectée sur un ordinateur, un vieux iPad, 2-3 vieux iPhones, qu'on peut maintenant utiliser pour nos propres données. Donc, cette photo-là, puis celle-ci, c'est Aaron Stropcope qui a fait, lui, une application qui va chercher les photos récentes de nos amis sur Flickr, puis qui les montre comme ça. Donc, ça peut être un iPhone qu'on va à côté sur notre bureau, un iPad qui est à côté dans le salon, puis c'est juste en périphérie, on jette un coup d'œil une fois de temps en temps.
Un autre similaire un peu, Robot Flâneur, on choisit une ville, puis aux 30 secondes, il nous montre une scène de rue de cette ville-là, au hasard. Donc, ça permet de visiter ou revisiter une ville à mesure, puis encore une fois, en périphérie de notre attention. Puis il y en a un paquet d'autres. Il y en a que c'est pour une liste Twitter ou des check-in GitHub pour un projet open source ou les tunes qui changent sur une librairie partagée iTunes, etc. Donc, ce qu'eux autres, ce qu'ils font avec ces exemples-là, je pense que je suis en avance sur mon temps, incroyable, c'est qu'ils utilisent la technologie comme un matériau. Donc, c'est de réaliser que de nos jours, les écrans, la technologie de façon générale, puis en particulier, puis même les données, c'est des matériaux comme le bois ou le plastique ou le papier. Puis c'est de vraiment réaliser qu'ils ont un grain, qu'on peut aller avec le grain de comment ils fonctionnent ou aller contre le grain, mais de vraiment les utiliser comme des matériaux, exactement de la même façon que les matériaux physiques qu'on est habitué d'avoir. Donc, des exemples de matériaux qui ont été utilisés dans les exemples que je vous ai montrés, bien, il y a le logiciel open source que tout le monde connaît, qui ont permis l'existence de plusieurs de ces projets-là. Il y a les API, donc la possibilité de se connecter à des données sur d'autres sites. S'il y avait eu besoin de construire Flickr pour faire les petits tests de poids, il ne l'aurait pas fait, mais de pouvoir aller consulter les API puis d'aller chercher les données, ça l'a permis. Il y a aussi maintenant pas juste les logiciels open source, c'est le matériel open source aussi, des projets de collaboration pour des plans électroniques, pour développer des petits machins électroniques autant qu'on développe des logiciels. Un de mes favoris dernièrement, la fabrication bon marché, l'impression 3D. On peut maintenant avoir une imprimante 3D à 400-500$ basée sur des plans open source. On peut en avoir évidemment des plus chers aussi. Puis imprimer des choses en 3D qu'on peut utiliser dans ces expérimentations-là. Il y a les Fab Labs, des endroits pour aller collaborer puis créer ces choses-là en équipe. Puis on peut même aussi envoyer des fichiers à certains services puis recevoir l'objet imprimé dans plusieurs différents matériaux. Ça, je l'avais enlevé. Donc, vous demandez peut-être pas... Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de ça dans un webin, mais pour comprendre, on va prendre un petit peu de recul, puis on va aller, je caricature un petit peu avec mes images, mais à notre monde physique au complet, qui est très industrialisé. On voit beaucoup des objets qui sont shippés d'un bout à l'autre du monde sans trop se préoccuper de l'environnement, sans trop se préoccuper des employés, sans trop se préoccuper d'un paquet d'impacts. Encore une fois, je caricature un peu, mais c'est largement ça dans notre monde physique. Puis on a, en marge de ça, on a ce qu'en anglais on dit DIY and makers, que j'ai traduit en bidouilleurs et fabricants, qui sont souvent présentement beaucoup plus locales, avec beaucoup plus de signification, qui visent plus les usagers, qui vont être souvent plus respectueux de l'environnement, etc. Donc cette marge-là, qui existait déjà, mais qui est très dynamique présentement, c'est souvent un bon endroit pour voir un bouillonnement d'idées, pour voir de l'innovation. On a après ça le web, qui est aussi un peu comme notre monde physique, qui est de plus en plus corporatif. On a les gigantesques Facebook, Amazon, les sites bancaires, que ça a l'air qu'ils sont mal faits pour l'accessibilité, etc. Donc, le web aussi est assez corporatif maintenant. Puis, on a encore une fois une autre marge, encore une fois des bidouilleurs et des fabricants, mais du web. Dans le web, la marge, je l'ai mis pareil, mais est évidemment beaucoup plus large parce qu'on a beaucoup de bidouilleurs dans le web. Mais c'est un petit peu la même approche, des plus petites équipes, plus dynamiques, qui ne visent pas le flip de 100 millions à Google, mais qui visent de bien servir leurs usagers, de créer des communautés, de faire des liens. Donc ça aussi, il y a beaucoup d'innovation et de bouillonnement. Malgré que je dis qu'avec le post-numérique, l'Internet, le physique et le numérique sont joints, il y a quand même un endroit où on a plus de connexions encore, qui peut être appelé « the Internet of Things », que je traduis à l'Internet des machins. Puis cet Internet-là, c'est aussi souvent, on entend « Internet of Things » de toutes sortes de façons, mais souvent c'est un petit peu plus récupéré, corporatif. Donc par exemple, les grosses villes écolo hein, qui veulent construire en Chine, qui vont être hyper connectées, ou le « Smarter Planet » d'IBM. Mais on peut aussi, encore une fois, avoir une version un peu plus artisanale. Donc, à l'intersection de ces deux marges-là, c'est là qu'on retrouve beaucoup des expérimentations post-numériques que je vous ai marquées. Ce n'est pas ça, le post-numérique. Le post-numérique, c'est l'ère dans laquelle on est en train d'entrer, mais les expérimentations se retrouvent à ce croisement-là. Donc, c'est pour ça que moi, je voulais vous parler du post-numérique aujourd'hui. C'est que si on admet qu'on est maintenant dans une ère où les deux mondes sont joints, si on veut faire du web, améliorer le web, faire progresser le web, bien, un de mes endroits favoris pour regarder, c'est cette intersection-là des nouveaux fabricants, du physique, du numérique. Donc, c'est une intersection que je vous encourage à explorer aussi. Merci. Et j'ai même le temps pour ma slide bonus. Qui est un bon exemple du post-numérique. On ne peut pas avoir plus merge de physique qu'un groupe d'hackers qui se pogne avec un cartel mexicain. Vous googlerez, c'est en cours présentement.